Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je peux définir ce que c'est qu'un livre. Parce qu'un livre, pour moi, je peux dire que c'est quelque chose qui me donne de la joie. Je me sens heureux. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut définir quelque chose qui nous donne de la joie, qui nous fait du genre qu'on soit heureux. Je ne sais pas comment est-ce que je peux définir ça. Les livres, moi, ça m'aide en tout cas, ça m'aide et tout ça à faire. Ça me fait voyager, en fait. Je ne sais pas, d'après vous, quelle est la définition que vous pouvez donner d'un livre. Donc, dites-le-moi dans les commentaires, quelle est vraiment la réelle définition que vous pouvez nommer, vous pouvez donner à un livre. Parce que moi, je n'arrive pas à trouver une définition très correcte pour les livres, même si je lis beaucoup de livres, mais je n'arrive pas vraiment à trouver une bonne définition pour ça. Parce que moi, je prends ça du genre quelque chose qui est dans moi, en fait. J'aime la lecture et j'aime également partager des livres à des gens voilà, qui aiment lire. En tout cas, c'est un peu ça. C'est, disons, c'est un peu, c'est comme ma passion. J'aime lire. J'aime les livres. C'est, pour moi, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. En tout cas, je suis déjà, vous voyez là, je suis déjà en joie quand je parle de la lecture, quand je parle du livre, quand je parle de la lecture, en tout cas. Je me sens vraiment heureux avec. Donc, en tout cas, les amis, je vous conseille vraiment de beaucoup lire. Lisez, lisez surtout. Ça va vous permettre d'avoir plus de connaissances, d'avoir... plus voilà, d'éclaircir ses morts mentales, surtout un peu spirituel, parce que il y a des livres que quand vous lisez, ça vous change un peu le mental, vous voyez, ça vous change votre esprit, ça vous change carrément. En tout cas, déjà, si quelque chose arrive à vous changer mentalement, ça veut dire que corporellement ça va gravement vous changer. Donc la première des choses, vous devez changer votre mentalité et le reste va venir après. Si vous voulez avoir un corps bien blindé, un corps costaud, voilà, déjà la première chose, c'est d'abord changer la mentalité.